Schtroumpfé, oh, c'est amusant. Schtroumpf maladroit, viens me schtroumpfer, s'il te plaît. Eh oui, Schtroumpf à lunettes, y'a pas de problème. Ah bah... Je te remercie, Schtroumpf maladroit. La Schtroumpf est un plat qui se mange froid, d'une période pour attendre, n'est-ce pas? Hé, hey, Schtroumpf costaud, tu veux me schtroumpfer un bon coup? Ben avec plaisir. Il n'a rien de cassé, mais on peut pas en dire autant de la balançoire. Ah, la corde devait être usée. Je dirais plutôt que tu es trop lourd. Attention, je trompe, fais le beau plongeon. Oh, mais c'est une catastrophe. Je ne peux plus m'admirer. Oh, c'est terrible. Il n'y a plus une goutte d'eau. Urgh. Je peux pas nager dans la boue. J'aime bien la boue, c'est si Schtroumpf. Bonjour, la Schtroumpf, tu prenais un bain de boue. Schtroumpf gourmand, tu commences à être trop gros pour ta santé. Ben, c'est pas c'est le hasard, c'est pas moi qui... Faut te mettre immédiatement au régime. Ah oui. Grand Schtroumpf. Les autres Schtroumpfs osent dire que je suis trop gros. Allons, calme-toi, c'est toi et Schtroumpf-moi tout. C'est vrai, grand Schtroumpf. Il est trop gros. Il a même cassé notre balançoire. Et à cause de lui, il n'y a plus d'eau dans la mare, n'est-ce pas? Excusez-nous, je crois qu'il faut que j'aie une conversation sérieuse avec le Schtroumpf gourmand. Je crois qu'il vaudrait mieux le Schtroumpfer au régime. La balance ne ment jamais, c'est exact, tu es gros. Un peu de poids trop n'a jamais Schtroumpfé de mal à personne. Non, Schtroumpf gourmand. Et trop manger, ce n'est pas bon pour la santé. Mais... Il n'y a pas de mais. Dès demain, tu te mets au régime et tu Schtroumpfes de la gymnastique. Et je te confisque tous tes gâteaux, tes bonbons, tes sirops de Salisbury et tous ces biscuits-là. Ah bon, d'accord, grand Schtroumpf. On ne va tout de même pas laisser gaspiller ça. Schtroumpf gourmand. Régime, qui a besoin de faire un régime? Ah. Allez, Schtroumpf gourmand, il est temps de te schtroumpfer du lit. Et puis dépêche-toi, il y a tel que de se lever tôt et de prendre un bon déjeuner. J'ai dit un bon déjeuner. Eh, à quoi tu schtroumpfes? Le grand schtroumpf m'a chargé de ton régime. Et ça, je regrette, c'est formellement schtroumpfé. C'est ça, mon petit déjeuner aujourd'hui. Allez, bon appétit, hein. Ah. Schtroumpf à régime, c'est pas un problème pour moi. Ah, et voilà, ça fait un. Enfin, je peux m'arrêter maintenant. Un? Enfin, oui, du moins presque. Continue à schtroumpfer comme ça. Le grand schtroumpf m'a chargé de m'occuper de ton entraînement. Je vais te transformer. Oh! Même si ça doit me schtroumpfer des années. Tu peux me dire ce qu'il y a pour dîner? Je marque d'un schtroumpf. Du jus d'épinards, des feuilles de laitue, des herbes de blé et de l'eau. Ça a l'air délicieux. C'est pas bon, frère. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Du jus d'épinards, des feuilles de laitue, des herbes de blé et de l'eau. Et maintenant, place au vrai dessert. Oh non, mes gâteaux ont disparu, mes biscuits ont disparu, mes soufflés ont disparu. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais quand même pas me schtroumpfer au lit sans dessin. Il faut jamais schtroumpfer à demain ce qu'on peut schtroumpfer le soir même. Nous avons fait une de nos meilleures récoltes. Tiens, c'est bizarre. L'entrepôt est moins rempli que je ne le croyais. Bonjour, grand Schtroumpf. Bonjour, Schtroumpf gourmand. Et ce régime, ça Schtroumpf? Oh oui, ça Schtroumpf très bien, grand Schtroumpf. Très, très bien. Ouvre bien tes yeux et tes oreilles, Azrael. Je sens des Schtroumpfs à proximité. Le régal des Schtroumpfs. C'est facile de faire ce travail quand on est en forme, n'est-ce pas? Ah, oui,
très facile. Le grand Schtroumpf dit qu'il faut toujours avoir un esprit Schtroumpf dans un corps Schtroumpf, parce que sinon, c'est on est Schtroumpf. Azrael, tu entends? On dirait que ce sont les Schtroumpfs. Schtroumpf, toi de là, Schtroumpf gourmand. Tu pèses une tonne, n'est-ce pas? Moi, je dirais plutôt 2 tonnes. Tu n'as pas perdu 1 gramme. À vous, le Schtroumpf gourmand. J'ai triché. Oh, qu'est-ce que c'est vilain! Il ne faut jamais tricher, Schtroumpf gourmand. Quand le grand Schtroumpf sera au courant, il va se schtroumpfer en colère, n'est-ce pas? Cette fois, misérable petit vermisseau tout bleu, vous ne m'échapperez pas! Schtroumpf qui fait! Schtroumpf gourmand, tête pas en route! J'en fais ce que je peux! Ce que je peux! Enfin, un Schtroumpf, c'est tout de même mieux que rien, n'est-ce pas, Azrael? Le Schtroumpf gourmand courait pas assez vite, et c'est pour ça que l'horrible Gargamel a pu le rattraper. J'ai travaillé comme un Schtroumpf pour le mettre en forme. Dire que je croyais qu'il s'était vraiment Schtroumpfé au régime. Malheureusement, il a réussi à berner tout le monde. Grand Schtroumpf, il faut faire quelque chose. Nous allons voler à son Schtroumpf, mais j'ai d'abord besoin de me retirer dans mon laboratoire. Que j'aurais pu faire un festin au lieu de me contenter de ce misérable avorton. Je peux peut-être faire un repas complet avec ce vermisseau si je le gave de sucreries. Le condamné est toujours autorisé à faire un dernier bon repas. Non. Pourvu que j'arrive à terminer toutes ces bonnes choses avant que le grand Schtroumpf vienne me délivrer. Yam, yam, c'est Schtroumpf. Oh, parfait, parfait. Tu es devenu bien rond à souhait. À mon tour de me régaler. Grand Schtroumpf. C'est bien silencieux par ici. Oui, trop silencieux. Oh non, vous croyez tout de même pas que le Schtroumpf gourmand, hein? Oh non. Chut, chut, y a personne par ici. Schtroumpf, t'as du flair. Ça y est, je sens quelque chose. Des carottes délavées, des feuilles de laitue, ça pourrait être un ragoût. C'est par là. Du ragoût? Oh non, pauvre Schtroumpf gourmand! Vite, venez, y a pas une minute à schtroumpfer. On te suit, Schtroumpf qui a du flair. C'est absolument parfait. Et maintenant, le plat de résistance. Oh, au secours, grand Schtroumpf! Toi, petit nabo bleu, plus personne ne peut te sauver du ragoût maintenant. Oh, quelle chance, on arrive juste à temps. Le Schtroumpf gourmand est tout en sueur. Bon, on va changer provisoirement les goûts de cet infâme Gargamel. Ah, des carottes. J'adore les carottes et je raffole des pommes de terre. Je me délecte avec les navets. Ils n'ont jamais eu aussi faim, mais ils n'aiment que les légumes. Qu'est-ce qu'on Schtroumpf pour y aller? Arrière, monstrueux tas de poils, elles sont à moi, ces pommes de terre. Je crois que j'ai jamais été aussi Schtroumpf de vous voir. Donne-moi ça tout de suite, sa capuce, c'est la dernière carotte. Schtroumpfez-vous vite, les Schtroumpfs, le sortilège ne va pas durer longtemps, Gargamel va redevenir lui-même. Il est sur ça, Azrael, ou je te transforme en des cendres de lit. Mais pourquoi je mange des légumes? Tiens, l'effet du sortilège est plus court que je croyais. Moi, ce dont j'ai envie, c'est de ce joli petit Schtroumpf bleu farci. Mais où est le Schtroumpf? Il a disparu. Il faut le retrouver tout de suite. Je meurs de faim. Regarde, Azrael, en voilà d'autres. Schtroumpf qui peut. Grand Schtroumpf, j'ai une idée. Laquelle? Détachez-moi. Où est-ce qu'ils sont passés? Cette fois, nous les tenons. Vous ne
ne pouvais pas m'échapper, misérable vermine bleue. Tu ne serais pas capable de m'attraper, même si j'étais endormi, Gargamel. Pauvre vieux sorcier gratteux. Oh, tu crois ça? Tu crois ça? Eh bien, on va voir. Tiens, oh, oh non, oh non, oh non. Infâme boule de poil pouilleux. Attends, je vais te... Un de ces jours, Azrael, un de ces jours, je les massacrerai tous. La récolte a été bonne, mes petits schtroumpfs. Je crois que nos paniers n'ont jamais été aussi lourds. Et moi, je ne me suis jamais senti aussi léger et aussi bien. Tu n'as plus envie de toutes ces tartes, de tous ces gâteaux, de tous ces soufflés, de tous ces bonbons? Non, j'ai jamais dit ça. Mais en tout cas, j'ai plus envie d'être gros. Tiens, schtroumpf gourmand, j'ai un cadeau pour toi. Oh, ça c'est un très joli cadeau. Ça a l'air délicieux. Eh bien, merci, c'est gentil, mais je préfère pas. J'ai bien schtroumpfé la leçon. Oh, regardez, c'est pas une étoile filante là-haut dans le ciel? Où ça? En plein jour. Non, non, non.